Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, le duo Fred et Jamy, c'est fini sur France 3. Les 10 premiers candidats de Danse avec les Stars et Patrick Sébastien qui tacle The Best sur TF1. Et on commence donc avec France 3 qui met fin au duo Fred et Jamy. C'est le duo de la fameuse émission, et très bonne émission, C'est pas sorcier. La décision est intervenue en plein cœur de l'été. Fred et Jamy préparaient pourtant 4 prime time de C'est pas sorcier, mais Frédéric Courant, alias Fred, de Fred et Jamy, a annoncé sur sa page Facebook qu'il venait de se faire virer de l'antenne de France 3 en 10 minutes, c'était le 25 juillet dernier. Raison invoquée, économique, ou peut-être parce que je n'ai pas été assez sage, écrit-il. Il ajoute, mon camion est bel et bien en route pour la casse, le camion donc de C'est pas sorcier. C'est la fin de ce duo mythique Fred et Jamy. Selon nos informations, Frédéric Courant a rendez-vous aujourd'hui avec la chaîne pour discuter de son avenir. En attendant, France 3 a encore des émissions inédites à diffuser jusqu'en décembre. On passe sur TF1 et on connaît désormais 10 des candidats de Danse avec les Stars. La saison 4 commence bientôt sur TF1. Parmi les derniers noms annoncés, celui de Brahim Zeibat, chorégraphe et danseur, mais il est surtout connu pour être le petit ami de Madonna. Si vous pensez qu'il a l'âge de la chanteuse, détrompez-vous, il n'a que 24 ans. Ouais. On retrouvera aussi Danny Briand et Damien Sargue, chanteurs de comédie musicale qu'on avait vu dans Roméo et Juliette. Ils rejoignent donc Tal, Alizé, Laurent Ournac, Noémie Lenoir, Titoff, Laetitia Milo et Laurie Tillman. Patrick Sébastien tacle l'émission The Best sur TF1. On n'avait pas encore entendu Patrick Sébastien à propos de l'émission qui propose des numéros d'artistes comme dans son plus grand cabaret du monde. L'animateur de France 2 s'exprime dans TV Magazine. Il dit, dans mon émission je reçois des artistes, pas des produits. Il ne conçoit pas qu'on puisse comparer un acrobate avec un magicien. De manière générale, Patrick Sébastien n'apprécie pas du tout ces émissions de concours avec des jurés. C'est nocif pour la société et nos enfants. Voilà, c'est dit. C'est la rentrée aujourd'hui sur les chaînes de télé, à la radio également, et c'est la rentrée sur Énergie 12. Oui, j'imagine qu'on vous a prévenu, Jean-Marc. Je vous confirme, oui. On prendrait l'antenne ce soir à 18h55 direct, ouais. Avec une toute nouvelle émission quotidienne baptisée hashtag Morandini, Télé People Buzz, et vous ne serez pas tout seul. À vos côtés, Julie Reynaud. Alors qui c'est ? Julie, une autre Julie, qui nous en dit plus donc sur l'émission et sur son rôle au micro d'Europe 1. Les médias, bien sûr, c'est la spécialité de Jean-Marc. La télé, les buzz, le people, on va voir tout ça. On va essayer de faire ça sous forme d'un journal, mais l'idée, c'est pas non plus de faire le 20h. Sinon, je pense qu'ils m'auraient pas appelé déjà. Et de mettre un peu d'humeur là-dedans. D'ailleurs, elle vient naturellement entre Jean-Marc et moi. C'est très difficile, la co-présentation. Donc, il faut trouver une place, exister sans gêner. Voilà, c'est difficile, mais je sais que Jean-Marc va beaucoup m'aider. Il me met super à l'aise. Et c'est vrai que c'est un exercice qui est plus dur, à mon sens, que de l'idée une émission. Voilà, ce sera un vrai journal télé, People, qui se rapprochera un peu de ce qu'on fait ici le matin sur Europe 1, donc très différent de ce qu'était l'émission l'année dernière. Benjamin Castaldi confirme son arrivée sur Gulli. L'animateur de Secret Story rejoint la chaîne Jeunesse de la TNT pour présenter un jeu d'aventure avec des familles qui sera tourné à Tahiti, vous voyez le bon plan. Benjamin Castaldi a tenu à préciser qu'il ne quittait pas TF1 pour autant. Cette émission se fera en accord avec la première chaîne. Benji précise qu'il aime les enfants, la télé et la Polynésie. Je crois qu'il aime aussi passer des vacances sous frais payés. Donc. Je vous confirme. Finalement, Frédéric Mitterrand n'ira pas sur D8. Le projet est abandonné, c'est ce qu'il annonce à nos confrères de BFM TV. Le projet était pourtant très abouti. Ça devait s'appeler Terre lointaine pour revisiter des lieux mythiques comme le Taj Mahal ou le château de Versailles. Mais le projet va rester dans les cartons de D8. Des cartons bien chargés car selon le magazine Oops, la chaîne a également enterré un projet d'émission historique que devait présenter Thierry Ardisson. Apparemment, le groupe Canal+ ne lui aurait pas autorisé à intervenir à la fois sur Canal et sur D8, sauf que D8 diffuse déjà des émissions avec Ardisson. Ouais, c'est un peu compliqué tout ça. France 2 prépare une émission hommage à Édith Piaf. On célébrera en septembre les 50 ans de la disparition de la chanteuse. À cette occasion, France 2 proposera une émission spéciale enregistrée à New York. Plusieurs artistes seront réunis sur scène, comme Nolwenn Leroy, Patricia Cass ou Marianne Faithfull. La soirée sera présidée par Charles Aznavour et présentée par François-Xavier Demaison. C'est le producteur de l'émission qui l'annonce sur son compte Twitter. L'acteur assurera l'animation en français et en anglais, car le show devrait être vendu à l'international. Une nouvelle recrue dans l'émission C'est à vous sur France 5. Oui, c'est quelqu'un qu'on connaît bien, Maxime Switek, qui a présenté la matinale d'Europe 1 tout l'été, que vous retrouvez tous les matins pour le journal de 8h. Maxime Switek rejoint l'équipe d'Anne-Sophie Lapix aux côtés de la bande habituelle à partir de lundi prochain.
Allez, on termine avec le chiffre du jour. 7,9 sur 10, c'est la note attribuée par les téléspectateurs à la qualité des premières parties de soirée selon le baromètre annuel publié par France Télé. Un baromètre de satisfaction qui concerne toutes les chaînes, hein, pas seulement France Télé. Mais le programme qui obtient la meilleure note, c'est un programme de France 2, Rendez-vous en Terre Inconnue avec Zabou, une note de 9 sur 10. Desperate Housewives, diffusé là par M6, 8,9 sur 10. Ou encore Musique en Fête sur France 3, pareil, 8,9 sur 10. Voilà, c'est différent des audiences, hein, bien évidemment. Et j'espère que c'est juste les gens qui ont vu qui notent. Bah, en toute logique. Vraiment, ça veut rien dire. Oui, en plus, c'est pas les programmes les plus regardés. C'est pour ça. C'est clair, mais c'est bien. Merci beaucoup, Thomas Joubert.